Ouais, c'est assez ironique, mais bon, ça exprime clairement la situation qui est en France, où on veut relancer la consommation, mais on ne donne pas la chance aux entreprises de relancer justement la consommation. Et l'impression que j'ai, c'est d'être en première ligne d'une guerre mondiale et que mes munitions, on me les prend pour les passer à l'arrière et faire un feu d'artifice le samedi soir. Il ne faut pas s'étonner qu'en première ligne, les entreprises meurent les unes derrière les autres, dans notre cas. Ils ont été présentés comme par les gouvernements successifs, comme un Graal au sens du roi Arthur à atteindre. Et à partir de ce moment-là, nous sommes dans une situation d'euroscepticisme où les Français assimilent le chômage et la création et les critères de convergence. Les Français vont accepter un pas vers l'Europe politique grâce à la coopération de nos politiques économiques et à une monnaie unique. Oui, je crois que la France paye un prix très fort en termes de croissance ralentie et aussi en termes, bien sûr, d'augmentation des prélèvements obligatoires supportés depuis 2 ou 3 ans du fait de la nécessité de respecter ces critères de finances publiques.